fini tes légumes, jus. J'ai plus faim. Sors pas table tant t'as pas fini ton assiette. Laisse tomber, c'est pas contre toi, tu sais. Je sais. C'est pas ta faute. Je sais pas. Ni celle de ta sœur, d'ailleurs. Quoi? Tu vois, quand elle est née, c'était vraiment notre petite princesse. Alors on l'emmenait partout avec nous. Tous nos amis l'adoraient. Faut dire qu'à l'époque, elle envoyait déjà du bois. Elle aurait dû faire de la politique ou un truc comme ça. Et puis à force, je sais pas, elle a dû prendre l'habitude d'être elle-même, c'est tout. Mais c'est nous, on n'a pas trouvé la bonne solution. Comment ça? Et ta mère, elle m'a fait ramper au début. Elle arrêtait pas de me dire que j'étais son meilleur ami à l'école. Ça me rendait dingue. Puis en plus, je comprenais rien, parce que c'est pas comme si elle avait quelqu'un d'autre, même pas. Et puis un jour, on a eu notre premier baiser. Et puis là, j'ai compris. Je suis sûr que toi, tu trouveras une solution, ma puce.